il fait plus le pied comme ça, et là je vais l'avancer de plus. Le but c'est, voilà, fixé. Un, deux. Un, deux, trois. Tapez l'épaule. Ça c'est un choix, c'est à vous de voir comment ça vous convient le mieux. Je ne sais pas si tu embrasses. Les deux sont bons. Après, il y a une position. Vous avez vu ce matin, il nous a fait travailler. Moi, je fais au comme ça. Dans les combats. Comme si j'allais venir un peu de poids, en fait. Elle est là. Voilà. C'est le même travail. Alors, le judo gaffe, passez pas que le judo. Sinon, vous allez vous enterrer dans le tapis. Je vous le dis. Et quand vous faites ostogari, évitez de prendre le. Moi, je prends ici. Quand je baisse, quand je suis là. Hein. Hein. À demain. Par rapport à la technique que vous allez faire. Hein. D'accord? Ça, c'est important. Si je prends là, en général, je vais peut-être faire ici. Et là, je ferai au tigari. Mais quand je fais au tigari, ma main. Et ma hanche se pose. Pardon, je vais doucement. Ma hanche se pose. Enculé, et là, la position de Haut-Tigari. Je pose ma hanche et je viens. Un, deux. Moi, je fais action, réaction. Action, réaction. Action, réaction. Oui! D'accord? Ça, c'est le choix. Hein? Allez, on y va. Vous jouez avec. Je tasse, je relève, et là
là, il faut parler de... Il faut que je rentre. Mon cou, là. 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 Et moi, je vais décrocher. Et quand j'ai décroché, elle ne m'a pas lâché normalement. Si elle n'a pas de tomber, elle ne marche pas. D'accord. Elle ne marche pas. Moi, j'ai décroché. J'ai décroché. Et là, je vais passer. Pareil, comme si je le faisais. Bon, mais avec deux bras. On va, passer. Et je ne vais pas contrôler sa chute, elle va se retrouver à 4 pattes, ma partenaire. D'accord ? À peu près 45 degrés, 45 degrés. À 4 pattes. Et là, je vais juste le revers ici. Ça, c'est comme si je me prends un défrappement. Et au seuil commun. Là. Et après, on y va toujours. Hein ? D'accord ? Ça y est, je ne sais pas mettre le bras là. C'est pas ça. Là, je la tire vers moi, et si je tendance à venir là, je la bloque là. Dans les touches, il faut qu'il n'y ait rien devant le partenaire. Il faut qu'il y ait. C'est une technique de bras à la jambe en barrage. Là, je mets la hanche en barrage quand je fais. Donc, je mets 45 degrés, je pousse. Et là, il y a rien. Il y a rien. Et puis mon pied, il est comme ça. Quand je vais tirer. Pas 45 degrés, c'est la vitesse de rotation qui va faire le travail. La vitesse de rotation. L'action, c'est partir là-bas, partir là-bas, partir là-bas. Et en même temps que je fais top, 45 degrés, top, 45 degrés, top, je pousse, et là c'est bon. Voilà. Il faut coordonner les trois. Top, 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 et top. Top, top. Top, top. Voilà. Et si je fais un milliard, ben je fais le droit de mourir. Je fais souvent ça. Et de faire ça, le cerveau du partenaire, c'est qui va attaquer. C'est qui va attaquer. D'accord. Alors, réflexe, c'est de partir. Accélère le pivot, voilà. Et là. Et en même temps, je fais ça. Et en même temps, je fais ça. Voilà. Allez, je vois. Balancez. Tout, 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 tout. Allez, on y va. Je viens ici, là. Comme si j'allais attaquer. Je veux pas attaquer. Mieux changer dans ce sens, dans cette position. Je viens là. Ici, ma partenaire va avancer pour défendre. Voilà, elle avance pour défendre. Je lâche, je lâche, je lâche, je bouffe. Et je viens un peu au tigre. Je vais porter pour au tigre et je recule. Pour au tigre. Allez, on regarde et on va donner son ami. Chose en prenant le kumikata en face sur le bras droit et gauche et
c'est la même chose de faire ici, elles peuvent travailler ici, elles peuvent travailler ici, elles peuvent travailler là, pareil, elles peuvent venir travailler là, pareil. Il faut être capable de travailler de deux côtés, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tellement joli. Le partenaire peut vous oublier à vous embêter, si vous avez vu, là, moi je le fais comme ça, elle m'a vu, elle va pousser mon bras, vous allez serrer, et là je vais le faire là, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, vous êtes capable de changer les communicateurs. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous discutez un peu. Oh, levez la main, c'est moi, je peux faire comme ça, moi je peux faire comme ça, discutez. Il faut changer. Allez, vas-y. Ça c'est bien parce que tu profites d'elle. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Elle profite de l'heure que tu le fasses, tu le fais. C'est instantané. Elle est grande, elle va le monter là. Pourquoi je fais ça? Parce que moi je suis handicapé comme ça. Par les... Mais ne marque pas de temps d'arrêt, tu l'engages de suite. Si tu ne fais pas poser ta main dessus, c'est fini, il faut l'engager. Viens, on recommence pour voir. Il faut l'engager de suite, elle ne pose pas main. Voilà, c'est bien. Ça c'est bien. Mais ça, plus tu vas le travailler, plus ça va être décédé. Et ça va marcher tout seul. Oh, t'as vu. C'est bon, elle est belle, elle est belle. Attendez, attendez. Allez, on y va. Tu crois qu'il est pris, il est juste de la poisse. Ah, mais c'est pas grave. S'il vous met une chute et il prend la pose avec une chute, vous allez la laisser dessus. Attendez, attendez. Allez, vas-y. Parce que j'ai pris que la phase où vous étiez statique et avec la chute. Ah, mais je vais faire encore. Attends, attends. Non, mais c'est pas là, vas-y, vas-y, vas-y. Comment on fait pour revenir sur faut appuyer quelque part? Si je suis sur le dos, c'est fini, je peux plus le sortir. Donc je le sors ici, j'allonge mon partenaire, je le garde, voilà, je le sens bien, je crois qu'il est bien tendu. C'est important, ce que certains d'entre vous ne font pas, c'est une fois que vous avez mis la tension ici, vous attrapez normalement. Allez chercher le plus loin possible pour pouvoir avoir un mouvement d'accélération. Là déjà, ça commence à mettre de la tension dans son bras. Si je travaille comme ça ne marchera pas.
Là, oui. Et moi, je ne m'arrange pas, hein. Je travaille pas au sort de l'eau. Si je suis comme ça pour faire une pièce, ça va être difficile de l'amener dans mon dos. Là, il est à l'aise. Hein. Merci. Alors que là, je travaille ici, et là, je tourne. Et je suis toujours assis, hein. Je suis pas couché. Je me couche que quand je cherche à passer la lampe. Là, je remonte, je fais du gigantamètre. Mais si lui, il est en train de vouloir en la défendre, je peux le faire. Merci. Mon départ, il est là. Je suis là. Il défend. Hop, très pâle. Je change de main. Je tourne, je ramène ici, devant mon visage. Et je me retrouve là. Et après, vous pouvez travailler. Allez, vous. Je vais passer mon pied ici. Et venez passer ma main comme ça. Voilà. Sur mon tibia. Regardez bien. Sur mon tibia. Je vais passer sur mon tibia. Je vais poser mes fesses. Là, sur l'épaule opposée. Sur l'épaule opposée. D'accord. Ici, sur les seins, je vais attraper. Dessus, tu vas te mettre dans le bureau, je mets dessus comme ça. Donc, juste, c'est pas de risque, parce que vous êtes allongé et on fait comme ça. Donc, judo, c'est ça. Alors, peu importe, je vais arriver, moi, pour. Je vais arriver, je vais faire le salon. Hop, c'est bon, j'ai appris. Allez, hop. Là, je viens là. Ou je viens ici. C'est pareil. Mais ça, c'est à vous de l'intuiter. Parce que dans le combat. On ne sait pas où on va regarder. C'est à vous d'intuiter. Allez, on y va. Hop. Et je passe dessus. Là, je contrôle ici, d'accord. Mais là, je vais faire ta stratégie, mais étrange-là. Je suis là, je passe ce mec. Et je vais chercher la paume de main. Regardez bien. La main du côté de la tête, elle passe. Et on voit bien ça. D'accord ? Là, c'est possible. Allez, vas-y. Moi, oui, je me suis fait retourner. Et je vais passer ma main là. Là, voilà. Et ici. Et là, je viens là. J'appuie derrière la nuque avec moi. Ça. La pute est la moitié comme ça. Et là, t'es la moitié retournée comme ça. Et c'est là que je viens. Là, je suis assis. D'accord ? C'est là que je viens. Je suis assis après. Donc, voilà, je vais l'attraper, d'accord ? Je vais l'attraper ici. Tu viens l'attraper là. Ici. Moi, je serai au parc à eux. Je pense que c'est bon, moi. Intérieur, c'est bon. Alors ça, si vous savez le faire, un complet de place. Mille fois dans le combat. Mille fois dans le combat. Mais d'abord, vous allez mettre un petit peu. Tout à l'heure, vous allez passer au milieu. Hein. Mais ça, si vous ne le faites pas, vous ne l'apprendrez jamais. Vous n'en faites pas. Là, c'est ma main droite qui passe parce que je suis de l'autre côté. Ce côté-là. Et après, je porte une petite chevauchée. Maintenant, j'ai bien pied la main ici. Pose au sol là-bas. Je ne peux pas y aller parce que le coup va tomber. Mais je ne vais pas essayer de me tourner comme ça. Non, je vais poser mon coup de droit au sol. Voilà, d'accord. Je ne vais pas tirer comme ça, ça ne sert à rien. D'accord. On y va. Voilà, à ce moment-là, moi, je sais que je vais prendre le jujube à la main, donc je vais réagir vite. Hop, je sors. Et là, j'enchaîne. Voilà, et là, je vais sortir, non. Hop, je sors. Et là, j'enchaîne. Merci. Le revers,
Moi, je vais dire, cherchez toujours. Il ne faut pas qu'elle se barre, il ne faut pas qu'elle s'éloigne. Là, c'est la distance d'en haut, et ça, c'est la distance d'en bas que je garde. Je vais essayer de garder toujours cette distance-là. Elle se va embêter, hop, elle va chercher ma ceinture. Voilà, elle a pris ma ceinture, ma main couvre, comme ça. Et là, sitôt que je contrôle sa main, je vais en diagonale partir ici, à la place de l'autre pied. Et là, j'allonge tout. Ok, moi je vais chercher. Là, je règle la distance du carré intérieur. Je passe sa main. Moi je vais couvrir ma main. J'avais les doigts qui viennent à l'intérieur de sa pomme, comme ça. Les doigts. Là, une fois que j'ai accroché la main, je vais passer en diagonale de mon pied et je change de plan de mon pied pour aller mon pied droit. Et là, je vais pousser le genou. Je vais venir saisir, ouvrir, je remonte, je vais attraper mon propre poignet et je ramène le partenaire. Et attention, c'est bien garder le partenaire dans les jambes. Si je suis comme ça, il passe par-dessus, il sort. D'accord ? Donc on efface. Pointe de pied tendu parce que là, il n'a aucun problème pour sortir. Au contraire, ça va lui donner peut-être la direction. Donc là, je vais venir revenir le pied en porte-manteau pour l'empêcher de sortir. Ok ? Ici, comme on l'a vu avec Yves, pour tailler le chien, je vais venir pousser. Et là, je vais venir ramener ici, en même temps, je vais venir pousser. Et là, je remonte sur le partenaire. On y va. Hop. Je viens directement là. Et je viens faucher. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est remonter sur le partenaire. Si je remonte, lui, il tombe sur son côté gauche. Et on se retrouve dans la même situation. Donc, c'est vraiment remonter sur lui à côté et après je m'installe tranquille. Voilà, quand il est comme ça. Maintenant, s'il s'assoit sur ses talons, ce que je viens de faire, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'il est très stable. Donc je vais faire l'effort de mettre mon pied sur le genou et je chasse le genou. Là, c'est exactement pareil. Donc là, vous vous retrouvez dans deux situations différentes. Donc je vais venir, toujours pareil, mon pied en porte-manteau. Là, je tire bien et je pousse, et je viens placer mon pied sur le genou. Et là, je n'ai plus qu'à repousser le partenaire. Et le travail de mon pied, c'est pareil, comme tout à l'heure. Comme le ciseau. Et je monte. De me contrôler cette épaule. Ça veut dire qu'au moment où lui va venir sur moi, moi, je vais venir ici pour me protéger. Je viens comme ça, et lui, naturellement, il va passer par-dessus. Et il va venir contrôler l'épaule. Et une fois que je suis pris comme ça, c'est gagné pour moi, je vais pouvoir sortir. D'accord ? Donc là, je suis là. Ce bras-là, il va rentrer entre lui et moi. Et je vais prendre un appui contre sa hanche. Et là, je vais pousser et sortir. D'accord ? Donc, je vais l'empêcher de me prendre. Vas-y, c'est à toi, hein, parce que là, tu n'es pas installé. Voilà. Et après, hop ! Je vais chasser. Je suis placé là. Et c'est moi qui m'installe. C'est bon? Donc là, je vais venir me protéger, il passe par-dessus, mon bras rentre entre lui et moi. Je prends un appui, il peut écraser autant qu'il veut. C'est sûr que ça va me frotter un petit peu les oreilles pour sortir, mais il n'y a que ça. Donc je prends un appui, je vais chasser ici. Je me repousse en fait avec cette main ici sur sa hanche. Je remonte là. Et je tourne. Vous faites ce que vous voulez. Je vais avoir plusieurs sorties impossibles, hein, je vais venir passer là très loin. Par lui, il tombe sur le dos, donc il me facilite le travail. Hein. Je veux chercher à partir, ça c'est une sortie possible. Et je vais partir sur l'arrière en fait, pour pouvoir le tendre le partenaire. Je me récupère entre les jambes, je suis en train de prendre ma tête et je tourne. Au niveau du genou. Et je vais aller chercher très loin derrière pour lui prendre le dos en fait. Ça c'est la première. La deuxième, la même chose, mais j'y pique le bras. Je vais très loin, je pousse avec la tête dans le creux des lombaires pour pouvoir revenir sur lui et faire lever le bras. Et la troisième, je vais venir rentrer. Ça c'est important. C'est de rentrer le pied pour poser la fesse derrière pour ne pas se relever en fait. Je cherche à toujours repartir le plus loin possible. Et au ras du sol, donc je sors la tête, je sors le bras, ça c'est important, c'est de le sortir au départ. Au départ, je prends mon partenaire entre les jambes, je le tends, contrôle bras-tête,
et je tourne. Je sors et je fuis en fait. Voilà, ça serait ton travail, c'est j'essaie de sortir. La deuxième, elle m'a pris. Hop, j'y pique le bras. Je m'éloigne et loin de lui, j'appuie avec la tête. Et je remonte. Ça va? Allez, je vais repousser ici pour chercher le. Si j'arrive pas bien, si j'arrive pas, je le sors, je viens prendre la tête. Et là je recouvre. Ensuite, vous avez
prendre cette main-là, elle va me servir à prendre la distance, en fait. Okay. Pour évaluer la distance et faire bouger la garde du partenaire. Parce que si ma partenaire est comme ça, elle est protégée en haut, et je sais qu'elle va être protégée en bas parce que son bras va descendre derrière. Donc il faut que je détourne l'attention. Donc ce bras-là, il va venir où? Ici. Sous le menton, hein, parce que si on le met dans en direct visage, c'est interdit. Donc je tape ici, soit je viens là, soit je viens là. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'elle se protège. Si elle se protège, elle fait une défense. Boum, c'est ouvert ici. D'accord? Je peux travailler là, ou je peux très bien, quand elle est en garde, sa main de devant me gêne, je l'écarte, boum, je viens taper. Donc cette main va me servir à quelque chose, elle ne sert pas à rien. Donc ça ne sert à rien, quand vous travaillez, de la mettre ici. Hein, parce que si je fais ça, ben elle va se mettre par rapport à ma distance de garde, donc normalement elle devrait être un peu plus près. Voilà. Et là, ça va partir très vite. Le temps que je monte la main pour me protéger, j'ai déjà pris sa main sur mon visage. Donc plus vous allez être près, plus le partenaire est près. Plus vous allez avoir les mains loin, plus le partenaire va être loin. Mais si je fais ça, je ne peux pas taper non plus. D'accord? Je la mets hors de distance. Alors, moi, quand j'explique à mes élèves, je dis que. Tends ton bras gauche, pardon. Ferme le poing, tends. Ça, c'est notre zone de confort, à tous les deux. C'est-à-dire que là, on peut faire ce qu'on veut. Je ne la touche pas, et je ne la touche pas. D'accord? Si je veux, à un moment donné, être efficace, il faut que je rentre dans cette zone de confort et que je ressorte. Parce que ça ne sert à rien d'être là, si après, on remet derrière. Ok, donc c'est un peu les déplacements qu'on avait vus hier. On est là pour rentrer, c'est ça. Et pour sortir, c'est ça. Ok, donc ça, vous allez jouer un peu par rapport à ça. Mais au lieu de travailler de façon linéaire, vous allez travailler en travaillant en cercle. Donc là, maintenant, ma partenaire va faire le même travail. Elle va venir chercher à frapper. Et moi, je vais essayer de me décaler à chaque fois. Donc elle frappe. Hop, moi je me décale. On est là. Donc moi, mon travail, ça a été. Grouper, ma jambe de devant pousse pour que je me décale. Je pouvais partir dans l'autre sens. Mais si je pars dans l'autre sens, je prends une praline. Si je fais ça, elle laisse traîner son bras, elle laisse traîner sa jambe. Donc, à la différence du judo. En judo, on vous dit toujours de rester face au partenaire quand vous tournez et pas aller dans le dos du partenaire. Deux fois. Je dis bêtise ou pas? Non. Ah. Et là, la différence en jiu-jitsu, c'est que c'est le contraire. Plus je vais rester ici, plus je me mets en danger par rapport à ce jambe, à ce poing, à celui-là, à ce pied. Ok? Par contre, plus je vais me déplacer par là, si elle veut me garder, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se replace. Et de suite, je reviens face à elle et je reviens comme ça. Si je reviens face, j'ai tout ça en danger. Ok? Donc pensez une chose, vous n'êtes pas en train de revenir toujours face au partenaire et être bien droit. Je le garde ma garde. Donc j'ai pied gauche devant, pied droit derrière. Ça, c'est la garde pour les droitiers en judo. Différente de la garde du droitier en judo. En judo, on est comme ça. Mais si je lâche et si je fais ça, c'est une garde de gaucher en judo. Moi, je suis droitier. On est là. D'accord? Donc moi je vais venir boum, et quand je suis passé là, je suis toujours dans la même position. À aucun moment j'ai fait ça pour ramener mes deux pieds sur la même ligne. D'accord? Et beaucoup vous le faites. Et après vous faites ça. Ça c'est tout sauf du jiu-jitsu. Ça me fait penser au cours de body attack là, dans les salles de gym. Ils font des formes de frappe là avec des positions ici. Vous perdez le niveau. D'accord? On est ici. Là, tout va se travailler, c'est vos cuisses qui vont travailler. C'est grouper. Moi, c'est ça mon travail. Je groupe pour exploser, pour rentrer dans mon partenaire. Et elle fait la même chose, mais elle se décale. Pour sortir de mon angle d'attaque. Si je fais ça. C'est elle qui a marqué une pause, c'est pas moi. Ok? Ça va? Alors maintenant je continue. Puisque vous êtes des judokas, vous savez tout faire. Donc on est là, je vais attaquer. Elle frappe.
j'ai saisi, hop, je le teste. Ça va? On est là. Hop, hop, je le place. Ça va? J'ai attrapé. Alors, je sais qu'en judo, vous avez l'habitude d'attraper comme ça. Mais comme je pars, sur le coup, je suis ici. Vous allez apprendre aussi à déplacer un partenaire avec une saisie par-dessus. Exemple. Vous emprisonnez vos doigts dans le tissu. Vous verrez que c'est aussi efficace. Et après, oh, c'est bizarre. On a vu ça à un moment donné. Oh, c'est bizarre. On a vu ça. Ouais, ouais, c'est pareil. Oh, c'est bizarre. On a vu ça. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Voilà, mais c'est du jour. C'est pas compliqué. Allez, on y va. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Tiens, là, là. C'est pareil, la partenaire. D'accord. Donc, ça va être à moi de trouver des solutions pour pouvoir enchaîner l'immobilisation derrière. Donc, on peut travailler sur les techniques. Ici, je vais enchaîner. Et enchaîner sur un travail au sol derrière pour pouvoir immobiliser et l'installer. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Yves. Voilà. Je rentre ici ma taille, je fais gigotaille. Gigotaille. Ara. Donc là, je ne peux plus partir là-bas. Hop, j'écarte, je vois ça. Et hop, on se retrouve sur une liaison de boussole. Alors je le fais dans ce sens, si elle est vraiment sur l'arrière, je suis là, je pars en arrière, hop, et je récupère. Donc ça c'est à vous hein, de trouver du travail, vous pouvez même ici, là, et je vais venir par exemple, hop. Enchaîne derrière. Donc ça va être à vous de trouver... tout ce que vous voulez. Ce qu'on a vu hier avec moi, j'ai réussi à poser les mains, je viens là, j'inverse, hop, et après je la garde pour remonter dessus. Donc ça, ça va vous demander un travail perso, de trouver une projection qui amène sur une mobilisation derrière. Le sumi-geishi, pareil, je remonte avec elle. Ok? Tu peux la faire tomber, ça, raïboshi encore après. Là, il y a Ipon, mais aujourd'hui, il n'y a pas Ipon, et le combat n'est pas fini hein, pour les judokas. C'est ça. Hein, pour les judokas, il y a pas, c'est pas fini le combat. Hein. Elle peut gagner encore en dessous. D'accord. Il faut bien faire attention à ça. C'est pour ça que je voulais vous dire ça, parce que oui. J'ai certains, peut-être, que vous ne le savent pas. Moi, c'est simple, quand j'ai des judokas qui viennent au jujitsu, je leur fais faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est la phase 2 et la phase 3. Donc la phase 1, ils sont là, évidemment on ne peut pas, donc, comme il est l'arbitre, elle me dira si je me trompe, mais on ne peut pas poser les mains directement. Donc le travail, c'est même si on est judoka, c'est de faire 3 coups de pied ou 3 frappes pour faire voir qu'on est quand même en train de... on respecte la phase 1, même si je ne sais pas les mettre. Mais dans la tête de mes gars, c'est de poser les mains. Quand ils ont posé les mains, il prend phase 2, il prend phase 3. Ce qui fait que quand on se relève, moi j'ai marqué dans deux phases un hippon, phase 2 et phase 3. Elle, elle a peut-être marqué dans la phase 2. Ok? Mais par contre, quand je me relève, moi j'ai sur le combat, je gagne, puisque j'ai deux hippons pour moi, un hippon pour elle. Ce qui veut dire que normalement, comme il y a des coachs sur le côté, les coachs ils vont lui voler dessus. Qu'elle aille mettre à la phase 2 et la phase 3. Donc je ne vais pas moi prendre le risque de faire ça pour me faire planter après derrière. Ça s'appelle de la stratégie ou du savoir-faire aussi. Là c'est elle qui va venir me poser les mains. Donc moi je me déplace. Il construit son combat là. Je l'oblige à venir sur moi pour venir frapper puisqu'elle est obligée de passer par la phase 1. Boum. Il pompe, full il pompe, j'y termine. D'accord? Quand vous êtes du yoga, que vous êtes du YouTube, n'essayez pas, c'est des choses que vous ne savez pas faire, j'ai fait coup de poing d'appréhender ça. Donc gardez-les pour la fin. Ça sera plus facile. Quand l'autre a la pression, c'est
savent pas attaquer en premier. Ils sont souvent sur la phase où ils subissent le travail. Donc on va le travailler là. Ce que je vais faire, c'est que je les fais mettre de côté. On est là, pratiquement à la même distance comme si on était en combat. Et dès que je donne le top, on va frapper tous les deux en même temps vers là. D'accord ? Ce qui va me permettre à moi, on est là, top ! Boum ! Ça veut dire que quand l'arbitre va dire à gymer, on va prendre l'habitude de rentrer dans l'attaque direct. Et ça sera la même chose quand on sera là. Donc après, je les fais mettre là, je les fais mettre plus loin. Bien évidemment, parce qu'ils ont un peu peur du coup, donc. Il faut les amener petit à petit, il faut les chouchouter un peu nos élèves, hein, parce qu'ils ont un peu de mal à avoir à subir pour la douleur. Un peu de problème par rapport à ça. Ils n'aiment pas trop se faire mal, donc on est là. Dès que je donne le top, on frappe tous les deux. Top, bam. Et là, on encourage. Et quand ils sont vraiment entamés, je mets des plastrons, je les mets là, ils donnent le top, ils sont de l'autre. Et petit à petit, je les amène vers un travail où eux vont être sur le. L'attaque au départ, ce que vous faites en judo, hein, vous êtes là, on est ici, dès que l'arbitre dit à gymer, bam, on subit, on y va, on saute sur le bonhomme pour poser les mains. Là c'est pareil, si on peut mieux poser les mains, on frappe. Ça va? Donc j'ai beaucoup parlé, maintenant vous allez travailler. En jujitsu, c'est éviter d'aller là pour projeter par l'air. Donc voilà, tout ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau des guerriers, tout ça, c'est au top. Sauf que le mot dégaré en judo, c'est ça. Et moi, ça ne m'arrange pas. Parce que je me retrouve entre les jambes de ma partenaire. D'accord ? Ce qui veut dire que dans la phase 3, je vais être obligé de travailler ça pour pouvoir passer sur la phase 3 derrière et être capable de sortir d'entre les jambes. Ça, c'est plus compliqué, ça mélange toutes les fois. Alors, c'est très simple. Je suis ici, je pique, pareil. Et au lieu de la tirer à moi, je vais faire passer ses deux jambes devant. Je fais de direct, après je vais plus passer. D'accord? Donc je suis ici, je lève, j'avance et je fais glisser sur le côté. Je fais qu'un bouton devant les pieds et pas entre. Je ne me retrouve pas entre ses jambes. C'est bon? C'est pour ça qu'il y a plein de points légers. Merci. Si j'attrape avec les deux mains. Ben, si je suis avec les deux mains, si je fais ça,
Je vois quand même une
Jamais il ne reste pas un signe de plus. Si un vent tombe dessus, la service est encore pire. Je comprends, il a besoin de récupérer. Les vieux, les employés, les amants.